Ravie de vous retrouver sur ce plateau pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et tout de suite, les titres. Au Gabon, le gouvernement multiplie les initiatives pour booster le secteur de l'économie numérique. Véritable marathon ce mardi pour le ministre d'État en charge de ce secteur qui a procédé à l'inauguration à Libreville d'un centre d'études en ligne dans une école spécialisée. Nous irons en Afrique, dont à Abuja précisément, où quatre pays de l'Ouest, après le Ghana, se sont engagés à interdire les carburants toxiques en limitant drastiquement la teneur en soufre autorisée pour les carburants importés dès juillet 2017 lors d'une réunion du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et puis, vous verrez qu'en France, jeu de chaises à Matignon, Manuel Valls, qui a annoncé lundi soir, depuis son fief d'Evry, qu'il était candidat à la présidence de la République et qu'il démissionnerait de Matignon dès ce mardi pour se consacrer à la campagne pour la primaire du PS, a donné les clés du palais Matignon au nouveau Premier ministre Bernard Cazeneuve, engagé à conduire sereinement l'action du gouvernement jusqu'à la fin du mandat de François Hollande. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous le commençons avec la page du Gabon. Tout d'abord, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, en visite d'État à l'invitation de son homologue Xi Jinping, est arrivé ce mardi à Beijing, en Chine, tel que nous le rapportent nos envoyés spéciaux sur place, Lariska Lormamengi et Bertrand Saga. Accueilli par les autorités chinoises et la diplomatie gabonaise, Ali Bongo Ondimba et son épouse sont dans la ville de Beijing, où le numéro 1 gabonais a été invité officiellement par son homologue de la République populaire de Chine pour une visite de travail et d'amitié. Au programme des mercredis, des audiences avec la diaspora gabonaise de Chine et plusieurs opérateurs économiques de ce pays d'Asie afin de discuter des possibilités d'affaires au Gabon. Les deux chefs d'État auront par la suite des rencontres d'échanges autour du renforcement des coopérations entre les deux pays. Aussi, la première dame gabonaise, Sylvia Bongo Ondimba, visitera avec la première dame de Chine plusieurs sites, notamment l'Institut de cancérologie. En somme, le séjour du couple présidentiel dans la ville de Beijing est loin d'être une balade de santé, encore moins une visite touristique. Cette visite d'État du président gabonais à Pékin dénote de la volonté manifeste des deux pays à impulser une nouvelle dynamique à la coopération. Retrouvons nos envoyés spéciaux sur place, Lariska Lormamengi et Bertrand Saga. Du 6 au 9 décembre 2016, Ali Bongo Ondimba séjournera en terre chinoise. Invité par son homologue, le président Xi Jinping, les deux hommes d'État vont discuter des nouvelles pistes pour renforcer les liens de coopération entre Libreville et Beijing. Au programme, plusieurs activités, notamment la visite des lieux touristiques dans la ville de Hong Kong, au Jardin des Dattes et au Musée des Révolutionnaires de Yan'an. Aussi et surtout, plusieurs audiences avec des opérateurs économiques chinois exerçant dans divers domaines, pouvant participer au développement du pays. Vieille de plus de 40 années, l'amitié entre la République gabonaise et la République populaire de Chine ne souffre d'aucune contestation. À Libreville, capitale gabonaise, les investissements de la Chine sont énormes dans les infrastructures routières, sportives, dans la construction des bâtiments publics et des partenariats dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'éducation. Toutes choses qui placent ce pays d'Asie parmi les partenaires privilégiés du Gabon. Pendant ce temps au Gabon, une délégation d'hommes d'affaires tunisiens séjourne actuellement dans nos murs et ce jusqu'au 10 décembre prochain. Il s'agit d'une mission de prospection en vue de permettre aux entreprises tunisiennes d'engager avec leurs homologues gabonais des partenariats d'affaires. En témoigne ce regard de Kevin Oswaldo Kaga et Jocelyn Bombadianga. Dans cette salle, des chefs d'entreprise tunisiens et gabonais discutent des opportunités d'affaires. 9 opérateurs économiques séjournent actuellement à Libreville en vue d'engager un partenariat public-privé avec leurs homologues gabonais. Je dois trouver des partenaires qui puissent commercialiser mes produits ici et réfléchir pour l'avenir de faire en commun un genre de société ou un dépôt ou quelque chose comme ça, là où on peut ramener nos produits pour vendre, non pas seulement sur le Gabon, mais pour le vendre aussi sur les autres pays qui sont limitrophes. Il s'agit en fait d'une mission de prospection tunisienne au Gabon dans plusieurs domaines, notamment les télécommunications, l'industrie et les services. Une aubaine pour les hommes d'affaires gabonais. J'ai discuté avec une start-up tunisienne qui fait dans tout ce qui est géomatique et information de détection par satellite. Cette start-up tunisienne va m'aider à pouvoir faire une cartographie correcte
des zones cultivables au Gabon. Ce séjour d'homme d'affaires tunisien au Gabon est une opportunité pour le pays qui tient à diversifier son économie. Le choix de ce pays d'Afrique centrale est non négligeable, selon cet expert de projet d'investissement. Le Gabon est sans conteste un pôle avec de grandes possibilités futures. Vous avez des changements dans votre façon de voir les affaires. Depuis que le pétrole a diminué ses revenus pour le pays doit diversifier les éléments qui lui permettent de croître. La Tunisie et le Gabon entretiennent des relations riches et variées à tous les niveaux. Les deux pays ont conclu plusieurs accords depuis 1985, dont les plus importants concernent les secteurs de l'éducation, la formation et la santé. Inauguration ce mardi dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise du centre e-learning à Vicennes UNESCO au sein de l'Institut national de la Poste, des technologies de l'information et la communication, un dispositif de soutien scolaire et de formation à distance, une nouvelle dotation remarquable qui matérialise dans les faits le pilier Gabon des services. Tex Akigasam. La capitale gabonaise se dote d'un campus numérique, le centre e-learning à Vicennes de Libreville. L'inauguration a eu lieu mardi dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise au sein de l'Institut national des postes et des technologies de la communication, l'INTIC. Un programme d'apprentissage, de soutien scolaire et d'accompagnement des jeunes à distance, un outil innovant au service de l'éducation. Aujourd'hui, nous mettons en orbite un outil. Un outil innovant et indispensable au service du monde de l'éducation avec l'objectif de faciliter et de vulgariser l'accès à la connaissance pour de meilleurs résultats au profit de toutes les couches de notre société. Le centre e-learning à Vicennes de Libreville est le fruit d'un partenariat fructueux entre le gouvernement gabonais, l'UNESCO et RTL Gabon. Grâce au numérique et à la mise à disposition de cours en ligne, l'UNESCO souhaite contribuer à la baisse du taux d'échec de jeunes scolarisés en classe d'examen du brevet d'études de premier cycle, le BLC, et de terminale, dû essentiellement à des carences dans les matières scientifiques. Dans un monde en perpétuel mouvement où Internet et les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne, il nous est paru essentiel d'apporter notre modeste contribution à la formation et l'épanouissement de la jeunesse gabonaise. Le campus numérique e-learning à Vicennes de Libreville est une première en Afrique centrale. Après Libreville, d'autres centres sont en cours d'ouverture dans les tout prochains jours à travers le pays. Au sortir donc de cette inauguration du centre e-learning, le ministre d'État en charge de la communication, de l'économie numérique, dis-je bien, et de la communication, Alain-Claude Bilibinze, a reçu en audience Philippe Lapidus, expert et entrepreneur en technologie numérique. L'objectif de cette visite est de booster le secteur du numérique et des technologies au Gabon. Le reportage de Lardingue Mamba. Le financement d'innovation technologique et numérique au Gabon, au cœur du conclave entre le ministre d'État en charge de l'économie numérique et de la communication, Alain-Claude Bilibinze, et l'expert et entrepreneur français Philippe Lapidus. L'expert français a proposé au patron du numérique au Gabon des solutions visant à booster le secteur du numérique et technologie gabonais. Alors, je suis donc venu rendre visite au ministre d'État, monsieur Bilibinze, pour parler de financement de l'innovation et parler de l'Afrique au XXIe siècle, qui est un continent, une terre d'opportunités extraordinaires pour les entrepreneurs. Et notre réflexion portait sur le Gabon innovation, parce que nous sommes convaincus que le Gabon a sa carte à jouer, son rôle à jouer, en tant que, non pas spectateur, mais acteur, sur l'innovation au Gabon dans les années qui viennent. Et pour ça, l'idée serait de mettre en place un cadre réglementaire pour insuffler, donner les moyens et insuffler un état d'esprit destiné aux entrepreneurs, aux jeunes qui vont créer les entreprises de demain, qui vont créer des applications mobiles, qui vont dans le domaine du numérique et des technologies d'une façon générale. Pays d'Afrique centrale, avec une population estimée à près de 2 millions d'habitants, le Gabon ne veut pas rater ce grand rendez-vous car le 21e siècle est considéré comme le siècle des grandes innovations technologiques.
Refermons cette page du Gabon avec cette note de santé. Fin de la campagne de consultation médicale gratuite dans les principaux centres hospitaliers universitaires du Gabon. Plusieurs patients présentant des pathologies inquiétantes ont pu bénéficier de l'action humanitaire du Rotary Club International. L'organisation a eu le soutien du gouvernement pour conduire sa caravane au sein de laquelle évoluaient des experts indiens. Ismaël Obianzi. Les experts indiens ici à l'œuvre, aux côtés de leurs confrères gabonais, ont fait des interventions sur plusieurs pathologies, notamment celles affectant l'appareil locomoteur ou entraînant des malformations buccales. À l'heure de faire le point de ces activités, la mission semble satisfaite et compte à son actif plusieurs initiatives du genre en Afrique. Je ne me rappelle pas bien du nombre exact. C'est peut-être la 31e ou la 32e mission en Afrique. Nous sommes prêts à servir le peuple gabonais dans ses missions médicales. Juste à ma droite, j'ai le chef de mission et chef de médecin chirurgien. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que je peux parler du Rotary en général, que ce soit ailleurs ou au Gabon. Le but du Rotary dans le monde, c'est la survie humanitaire. C'est pour cela que nous avons eu cette mission médicale. La facture de la prise en charge médicale des patients consultés au terme de cette caravane du Rotary Club International a été supportée à 80% par l'organisation humanitaire et 20% par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. On précise par ailleurs que le district 9150 est placé sous la gouvernance du Gabonais Serge Manami Daouda. Il vient d'enregistrer l'adhésion de quelques nouveaux membres. Poursuivons cette grande session avec la page Afrique. Tout d'abord en Tunisie, les premiers ministres des pays du Benelux, pour la première fois en visite conjointe à Tunis, ont affiché lundi leur soutien à la Tunisie qui connaît une situation économique, socio-économique difficile depuis sa révolution en 2011. Regardez. Les ministres du Benelux affirment leur soutien à la Tunisie qui connaît une situation socio-économique difficile. Dans un communiqué, les trois responsables ont rappelé que leur pays était disposé à renforcer leur assistance en finançant des programmes et des projets pour une amélioration de l'emploi et le développement socio-économique. À rappeler la radicalisation, à soutenir le secteur de la sécurité tout en s'appuyant sur le processus de réforme dans le secteur de la sécurité et des finances. On n'est pas venu ici pour faire du tourisme, on est venu ici pour voir comment on peut s'aider mutuellement, car on sait que si la Tunisie se porte bien, c'est bien pour nous tous. Les Tunisiens n'ont pas à faire le choix entre la sécurité et la démocratie. Ils doivent pouvoir vivre dans un pays qu'il se développe et nous sommes contents de pouvoir participer justement au succès aussi de votre pays, Monsieur le Premier ministre. Malgré le succès de sa transition démocratique, la Tunisie ne parvient toujours pas à faire redémarrer son économie en raison de l'instabilité qui a suivi la chute de Zine El Abidine Ben Ali en janvier 2011, mais aussi d'une série d'attentats djihadistes qui a fait plonger le tourisme. Nous mesurons bien aussi que la situation aux frontières de la Tunisie, je pense à la situation en Libye par exemple, sont des facteurs qui peuvent amener soit dans les prochains mois et les prochaines années à plus de sécurité et plus de stabilité si on réussit un processus politique pacifique en Libye. Le gouvernement d'Union tunisien confirme que le pays se trouve en état d'urgence économique et tente de faire adopter un budget 2017 qui comporte plusieurs mesures de rigueur, dont un gel d'un an des salaires dans la fonction publique. Je vous l'annonçais à l'entame, à l'occasion d'une réunion organisée jeudi dernier à Abuja par le programme des Nations Unies pour l'environnement, quatre pays d'Afrique de l'Ouest, après le Ghana, promettent aujourd'hui d'interdire les carburants toxiques sur leurs terres. Ils se sont engagés à limiter drastiquement la teneur en soufre autorisée pour les carburants importés dès juillet 2017. Marina Mendeman. Il y a un mois, le Ghana décidait d'interdire l'importation des carburants toxiques sur son sol. Plusieurs semaines après, quatre autres pays africains lui emboîtent le pas à l'issue d'une réunion tenue jeudi dernier à Abuja, capitale du Nigeria. Il s'agit du Nigeria, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Ces derniers se sont engagés à limiter drastiquement la teneur en soufre autorisée pour les carburants importés dès juillet 2017. Mais cette décision intervient quelques mois après la publication d'un rapport explosif
de l'ONG suisse Public High, baptisé Dirty Diesel. Un rapport qui révélait que ces négociants suisses déversaient sur le marché africain des carburants très nocifs contenant jusqu'à 400 fois plus de soufre que ce que prévoient les normes européennes. Pour Gian Valentino Viredas, l'un des auteurs de ce rapport, une telle décision des pays africains est des meilleures. Car l'engagement qui a été pris par le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo, c'est de réduire de 60 fois la teneur en soufre des carburants importés dans le pays. Cela revient à modifier les législations nationales et aussi négocier avec les fournisseurs et les convaincre de baisser leurs marges et de ne pas répercuter ces nouvelles normes sur le prix à la pompe. A noter que les pays comme la Côte d'Ivoire qui disposent de leurs raffineries se sont donné un délai de 3 ans pour moderniser les infrastructures et être capables de produire elles aussi des carburants de meilleure qualité. Direction l'Ouganda, où l'ancien chef de guerre de la sanguinaire LRA de Joseph Kony, l'Ougandais Dominique Ongwen, a plaidé non coupable ce mardi lors de l'ouverture de son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le nord de l'Ouganda. Bienvenue Nelkem, s'en fait l'écho. Vêtu d'un costume gris clair et d'une cravate lavande, Dominique Ongwen, devenu au fil des ans un des commandants les plus redoutés de la LRA, la sanguinaire armée de résistance du Seigneur, est le premier enfant soldat à être jugé par la Cour pénale internationale. Ce qui, pour les observateurs, représente un terrible dilemme pour la justice internationale. Après près de 3 décennies dans la brousse, Dominique Ongwen, 41 ans, a plaidé non coupable mardi lors de l'ouverture de son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour son rôle dans une milice qui a, selon l'ONU, massacré plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 enfants dans le nord de l'Ouganda. Admettez-vous votre culpabilité quant à ces accusations? Au nom de Dieu, je nie toutes les accusations liées à la guerre dans le nord de l'Ouganda. Et la deuxième question, vous plaidez donc non coupable, je suppose. Oui. Fils de deux professeurs, Dominique Ongwen n'était qu'un enfant quand il est enlevé sur le chemin de l'école, près de son village de Kurum, dans le nord de l'Ouganda. Selon la procureure de la CPI, les enfants sont enlevés pour devenir des soldats ou des épouses, distribués aux soldats comme des butins de guerre. Au Mali, ce mardi, la prison de Niono, située dans la région de Ségou, au centre, a été la cible d'une attaque. Des assaillants ont pris d'assaut le bâtiment, blessant au passage 2 gardes avant d'ouvrir les portes permettant aux détenus de s'évader, en témoigne le récit de Larissa Matsumu. Selon plusieurs sources, les assaillants ont été venus spécifiquement pour libérer 1 ou 2 détenus. Ils en ont profité pour ouvrir les portes et faire s'évader au moins 47 prisonniers. Une opération qui pose encore la question de la sécurisation des prisons et du territoire malien. Le député Belkoba estime que le secteur de Niono est très vaste et très difficile à surveiller. L'élu local juge les moyens militaires insuffisants face à des attaques de type guérilla. Il dit par exemple qu'entre Niono et la Mauritanie, située à plus de 100 km de distance, on peut faire le déplacement sans traverser un seul village. La prison, elle se trouve à 8 km de la ville de Niono et l'établissement pénitentiaire n'est contrôlé que par quelques gardiens. Ils ne peuvent ainsi pas défendre les lieux en cas d'assaut important, ajoute le député. Enfin, pour ce dernier, il faudrait que les détenus djihadistes soient transférés dans des prisons du sud du pays. Car on ne connaît pas l'identité des assaillants, mais on sait que Niono est une zone de prédilection du Front de Libération du Massina, un groupe allié aux islamistes d'Ansar. Déjà, il y a un mois, les autorités avaient été pointées du doigt lorsque les djihadistes présumés avaient pris d'assaut la prison, la gendarmerie et une banque à Banamba, à seulement 140 km de Bamako. Pas en reste dans cette grande session les actualités hors du continent, telles qu'annoncées en titre. Commençons en France et j'en viens à cette passation de charge à Matignon. Le nouveau Premier ministre Bernard Cazeneuve est arrivé dans ce mardi à Matignon pour la cérémonie de passation de pouvoir avec Manuel Valls, qui a démissionné ce mardi matin pour se consacrer définitivement à la campagne présidentielle. Le récit de Katien Sandon. Bernard Cazeneuve, nouveau Premier ministre, en remplacement de Manuel Valls, a déclaré ce mardi, lors de la passation de pouvoir à Matignon, qu'il reste quelques mois d'ici à la présidentielle et que chaque jour est utile, chaque jour compte. Il reste
quelques mois, et vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir qu'en politique, chaque jour est utile, que chaque jour compte. Lors de la rituelle de la Ve République dans la cour de Matignon, Manuel Valls a salué son successeur Bernard Cazeneuve, un ami, un frère, lors de la passation. Je pars donc avec une forme de gravité, bien sûr, mais de légèreté. Vous êtes un ami, vous êtes un frère. C'est rare en politique de pouvoir compter et de pouvoir s'appuyer sur des hommes de qualité comme vous. Je vous souhaite plein succès, pleine réussite, bonne chance. Manuel Valls a quitté Matignon au terme de la cérémonie de passation de pouvoir avec son successeur. Après 976 jours comme Premier ministre, le candidat à la primaire de gauche a répété qu'il jugeait impossible de cumuler sa bataille présidentielle à son poste de Premier ministre. Direction la Turquie, où des centaines de personnes ont commencé à rentrer à Sirnak, ville du sud-est, en majorité kurde de la Turquie, transformée ce lundi en champ de ruines par les violents combats entre l'armée turque et les rebelles du PKK. Le reportage. Une mosquée dressée au milieu des gravats et des grues qui déblaient sans interruption. Après 8 mois de couvre-feu, les habitants de Sirnak commencent à revenir depuis 2 semaines. Mais dans cette ville à majorité kurde, située à la frontière turco-irakienne, la vie ne peut pas reprendre comme avant. Celadin Baran était un homme riche. Il découvre qu'il ne possède plus rien. Ma famille possédait 5 magasins. Il n'y a plus rien, tout s'est effondré. Nos maisons sont détruites. Nous possédions un immeuble ici, avec 10 appartements. Un autre immeuble là-bas, avec 3 appartements. Sous ce bâtiment, j'avais 2 magasins. Tout cela est parti en fumée. Depuis mars dernier, de très violents combats ont opposé ici les forces de sécurité turques aux rebelles du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation classée terroriste par Ankara et Bruxelles. Nous avons trouvé l'endroit où était notre maison. Il n'y a plus rien. Nous n'avons plus rien. Nous avions tout chez nous. Nous avions une baignoire, des couvertures, une télévision, un réfrigérateur, tout cela. Mais tout est en poussière. Jusqu'ici, les combats entre l'armée turque et les combattants kurdes avaient surtout lieu dans les zones rurales. Mais ces derniers mois, les centres urbains du sud-est de la Turquie ont été eux aussi touchés. Des centaines de milliers de personnes ont dû prendre le chemin de l'exode. Avec l'hiver qui s'installe, la situation est alarmante. Keze Alkan habitait ici. Elle doit désormais trouver de quoi faire survivre ses 5 enfants. Ce que je ramasse là, je vais le brûler pour nous tenir chaud. Mes enfants ont froid, nous n'avons plus ni bois, ni charbon, ni rien. Nous n'avons plus rien en fait. Ce que je possédais est là, sous les débris. Dans le centre-ville de Sirnak, plus de 2000 habitations ont été détruites, que les autorités ont promis de reconstruire le plus rapidement possible. Depuis le déclenchement du conflit kurde en 1984, plus de 40 000 personnes ont été tuées. Et puis aux États-Unis, le procès d'un ancien policier américain accusé d'avoir abattu un automobiliste noir non armé a été annulé lundi, les 12 jurés n'étant pas parvenus à s'accorder sur le verdict dans cette affaire qui avait choqué l'opinion publique aux États-Unis et provoqué des manifestations. Sibyl Mengue. Faute de verdict, le juge annule le procès d'un policier américain ayant tué un automobiliste noir non armé. Les 12 jurés n'étant pas parvenus à s'accorder sur le verdict dans cette affaire qui avait choqué l'opinion publique aux États-Unis et provoqué des manifestations. Une occasion ratée pour la justice, une occasion ratée de panser les nombreuses blessures dans ce pays, une occasion ratée de rappeler aux bons policiers qui portent ce badge qu'ils ne sont pas Michael Slager. Michael Slager, âgé de 34 ans, répondait du meurtre de Walter Scott, 50 ans, fauché dans le dos par les balles de l'agent en avril 2015, alors qu'il s'enfuyait en courant après une banale infraction au code de la route. Pour l'avocat de la famille, le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. Ce n'est que le premier round. D'autres rounds nous attendent. L'avocat va tenter de porter cette affaire au plus vite. Le département de justice va essayer de porter cette affaire au plus vite. Il a peut-être retardé la justice, mais il n'y a pas échappé.
Les procès d'assises en Caroline du Sud exigent que les jurés parviennent à un consensus, faute de quoi le procès est annulé et l'accusé est rejugé ultérieurement par un autre jury. Le juge Newman avait refusé vendredi cette extrémité, optant pour renvoyer les jurés à leur délibération, mais en vain. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Tout d'abord, au Gabon, le gouvernement multiplie les initiatives pour booster le secteur de l'économie numérique. Véritable marathon dont ce mardi pour le ministre d'État en charge de ce secteur qui a procédé à l'inauguration à Libreville d'un centre d'études en ligne dans une école spécialisée. Nous étions en Afrique, à Abuja précisément, où quatre pays de l'Ouest, après le Ghana, se sont engagés à interdire les carburants toxiques en limitant drastiquement la teneur en soufre autorisée pour les carburants importés dès juillet 2017 lors d'une réunion du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et puis à l'instant, nous étions en France, jeu de chaises à Matignon. Manuel Valls qui a annoncé lundi soir depuis son fief d'Évry qu'il était candidat à la présidence de la République et qu'il démissionnerait de Matignon dès ce mardi pour se consacrer à la campagne pour la primaire du PS, a donné les clés du palais de Matignon au nouveau Premier ministre Bernard Cazeneuve, engagé à conduire sereinement l'action du gouvernement jusqu'à la fin du mandat de François Hollande. Voilà, madame, monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci pour votre fidélité. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.